Salut les amis et bienvenue sur Questionne ta foi. On se retrouve pour répondre à une nouvelle question. Est-ce que la mort de Jésus était un échec? C'est une question que nos amis peuvent nous poser ou qu'on peut se poser parce que c'est vrai quand on regarde ce qui fait le cœur de la foi chrétienne, ce qui fait le centre de la foi chrétienne, le centre de la Bible, c'est la mort de Jésus sur une croix. Mais pourtant ça a l'air vraiment faible d'un point de vue humain. On voit Jésus qui est abandonné de tous, Jésus qui souffre, qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On voit Jésus dans une souffrance la plus terrible et on se dit mais c'est ça la victoire du christianisme, c'est ça ce que met en avant le christianisme, la foi chrétienne, ça paraît vraiment faible. C'est des interrogations que les premiers chrétiens, auxquelles les premiers chrétiens devaient faire face aussi. C'est des interrogations peut-être que, en tant que musulman, on peut se poser la question si toi tu regardes cette vidéo que tu es musulman ou que si tu as des amis musulmans. Dire que Jésus est mort, ça paraît comme un échec. Dire que celui qui a été envoyé par Dieu a fini sa vie en mourant, ça paraît un échec total. Alors, est-ce que c'est le cas? Je crois que ce n'est pas le cas, en fait, si on prend en compte que, plusieurs éléments. D'abord, si on prend en compte le fait que sa mort était annoncée à l'avance. La mort de Jésus n'est pas arrivée soudainement, comme s'il n'avait pas pu gérer les événements, mais ça a été annoncé à l'avance. 600 ans, 700 ans avant sa naissance, Ésaïe avait écrit dans Ésaïe 53 que Jésus allait mourir en décrivant dans de manière très précise la manière dont cette mort allait avoir lieu et ce que cette mort allait accomplir, en parlant du Messie, de celui que Dieu allait envoyer pour sauver le peuple. Donc cette mort a été annoncée dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, mais aussi cette mort a été prédite par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. Et c'est la deuxième chose qu'on peut mettre en avant, que Jésus n'a pas été victime des événements. Jésus a prévenu ses disciples qu'il allait souffrir, qu'il allait être mis à mort, qu'il allait mourir. Il avait annoncé ça, et même Jésus n'a pas été pris de court parce qu'il a lui-même été consciemment à Jérusalem, là où il savait qu'il allait devoir être arrêté et mis à mort. Il n'a pas résisté quand on l'a arrêté, alors qu'il aurait très bien pu le faire. Il disait lui-même qu'il aurait pu appeler des anges auprès de son père qui allait le défendre. Il aurait pu échapper à cette mort, mais il n'a pas voulu. Alors pourquoi? Et c'est la troisième chose, et peut-être la plus importante que j'aimerais mettre en avant, c'est parce qu'il faut regarder pas simplement à cette mort elle-même, mais à ce que cette mort a accompli. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir sur la croix? Jésus est mort sur la croix pour régler le problème le plus grand de ce monde, le problème du péché, le problème de notre cœur qui est mauvais, le problème de notre rébellion envers Dieu. C'est en mourant sur la croix que Jésus règle ce problème parce qu'il prend sur lui le jugement de la part de Dieu. Parce qu'il montre à la fois la justice, l'amour et la sainteté de Dieu. La justice parce que Dieu juge le mal, l'amour parce que Dieu donne un moyen d'être pardonné face au mal, et la sainteté de Dieu parce qu'on voit que Dieu ne peut pas tolérer le mal. C'est seulement la croix, c'est seulement la mort de Jésus qui permet d'accomplir ça. Et donc la mort de Jésus est le moyen pour nous d'être en bonne relation avec Dieu, d'être pardonné de tous nos péchés, de toutes nos fautes. C'est vraiment quelque chose de glorieux, de réjouissant, de joyeux. Pas parce que cette mort en elle-même est joyeuse, mais en raison de ce que cette mort a accompli. Parce que c'est nous qui aurions dû mourir sur cette croix. Parce que Jésus meurt là à notre place, par amour. Mais il faut aussi considérer que Jésus n'est pas resté mort. La Bible montre qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que sa mort était pleinement suffisante pour réconcilier l'homme avec Dieu. Donc il est revenu à la vie, Dieu l'a fait revenir à la vie. Et maintenant il est vivant, vainqueur à la droite de Dieu. Et il reviendra pour juger ce monde, pour chercher ceux qui auront cru en lui. Donc non, la mort de Jésus n'est pas un échec. Au contraire, c'est la victoire la plus grande que ce monde ait connue. Et maintenant la question pour toi c'est, comment est-ce que tu te positionnes face à la mort de Jésus? C'est la question la plus importante auquel tu puisses répondre dans ta vie.